Bien salut à tous la Team Zen, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo défi et on va parler des défis de la semaine 7 de cette saison 8. Alors je suis ici sur un petit camp de pirates, je vous ai montré tout à l'heure comment donc faire l'autre défi qui était de visiter plusieurs camps de pirates dans la même partie. Et bien on se retrouve maintenant pour une autre vidéo explicative d'un autre défi qui sera de éliminer des adversaires dans différents lieux dits. Et bien pourquoi je vous dis ça, puisqu'il y a certaines personnes qui ne savent pas ce qu'un c'est un lieu dit. Alors, je vous répéterai jamais assez, le mieux pour faire vos défis sera la foire d'empoigne. Et je vais vous expliquer du coup ce que c'est un lieu dit et du coup vous faciliter la tâche. Un lieu dit, c'est comme vous voyez sur la carte, tous les noms que vous voyez sur la carte. Frosty, Shifty, Polar, Happy, Fatal, etc. Bref, tout ce qui est marqué en blanc, en nom sur la carte, représente un lieu dit. Alors, il vous faudra vous déplacer sur la carte, comme je vous dis assez souvent, en foire d'empoigne, ce qui est le mieux. Si vous aimez pas, eh bien, je vous invite à faire ça dans vos parties préférées. Eh bien, vous validerez quand vous faites une élimination dans la zone vraiment collée au prénom. Donc, Loot Lake, il faut pas aller genre ici parce que c'est trop loin. Il faut vraiment être dans max là, là, là et là, dans ce périmètre là, éliminer un adversaire et ça vous validera donc une élimination de lieu dit. Et ça, il faut le faire dans plusieurs lieux dits. Donc vous choisissez votre lieu dit préféré, Dusty, Retail, etc. Et vous éliminez un adversaire. Alors, tout simplement, comme pourquoi la foire d'empoigne? Parce que vous pouvez réapparaître si vous mourrez. Vous pouvez réapparaître même s'il faut 500 fois par partie. Si vous arrivez à mourir 500 fois, c'est quand même un exploit. Mais bon, voilà. Et vous avez au moins 20 adversaires quasiment au même endroit pour les éliminer. Donc ça vous fait vraiment le choix. Et il y a de tous les niveaux mélangés. Donc voilà pourquoi je vous dis ça tout le temps. En tout cas les gars, voilà ce qu'il fallait dire pour ce défi. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas, comme je vous disais, à mettre un petit pouce, le code créateur Telmo-Lopez et un petit commentaire pour les autres défis si vous avez besoin d'aide ou quoi. De toute façon, je les ai mis tous en ligne sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller regarder si vous avez besoin. En tout cas, n'oubliez pas de rester zen, le plus important comme d'habitude. Je vous dis à tout à l'heure ou à demain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!